Et on va directement commencer par notre première invitée, la prostituée de l'année dernière. Pimbèche. Ça fait plaisir de vous voir. Merci d'avoir accepté mon invitation, pétasse. I get it. Thank bon, you. Ne te réjouis pas trop, t'es rien de spécial pour nous ici en France. Attends, c'est quoi la question? Ah oui, tell me your story. Attends, t'as un traducteur? Yes. Alors pourquoi ai-je voulu interroger une prostituée anglaise? Vous en pensez quoi? My story is very sad because everybody abandoned me and my parents don't want to help me, so I have to do this job to earn money. Désolé, je te coupe, mais en fait t'es juste attiré par l'argent si j'ai bien compris? Absolutely not. Did you hear what I said? Quoi? I'm forced to do this work. Oh, mon Dieu. It's difficult for me to have a normal life. En fait, je comprends absolument pas de ce que tu me racontes. Personne traduit tes phrases ici. Je comprends que être prostituée c'est dur à supporter, mais avoue que t'aimes coucher. Ça a toujours été ton choix, lol. Attends, on va pas s'énerver. Tu me fais quoi là? C'est pas parce que t'es étrangère que tu dois faire ce que tu veux. Arrête de m'ignorer et écoute-moi, d'accord? Honestly, you're annoying me. I guess that you will never listen my sad story. Mais du coup, t'es une prostituée, donc tu dois être mal vue par ta famille, t'es mal éduquée quoi. Je comprends pourquoi tes parents t'ont abandonné. Bah quoi, c'est vrai? Excuse me? How dare you to speak to me like that? You're evil. Comment on dit? Shame on you. Tell me what you're gonna do now.